Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Miss ASMR en français. J'ai mon oiseau, j'ai mon petit chien. Excusez-moi, je parle un tout petit peu comme ça parce que j'ai mal à la gorge, donc je suis un tout petit peu malade. J'avais même de la température le matin. J'espère bien que ça vous dérange pas la façon dont je parle parce que c'est mal à ASMR, n'est-ce pas? Je suis trop contente parce que vraiment j'avais une période hyper stressante et ça me fait trop plaisir de partager, même s'il est 2 h de la nuit, j'adore partager ce petit moment avec vous. J'espère bien que vous allez aimer. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo concernant le soin de la peau. Je reçois beaucoup de commentaires concernant le soin de la peau, concernant les produits que j'utilise et tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas. Même si je peux parler du soin pendant des heures et des heures, j'espère bien que je vais essayer de faire cette vidéo plus informative et assez courte parce que je n'ai pas trop de voix. Voilà, c'est aussi une des raisons. Avant de commencer, il faut dire que j'ai une peau terrible. J'ai une peau sensible, sèche, qui a des imperfections de temps en temps. Et je souffre d'une maladie qui s'appelle psoriasis. On l'appelle dermatitis quand vous êtes petite, on l'appelle très souvent eczéma quand vous êtes un adulte ou une adulte. Même si heureusement je n'ai pas une variante, disons, terrible de cette maladie parce que ouais, parfois ça c'est vraiment très dur. Mais quand même, ma peau réagit vraiment aux choses comme le changement de temps, les larmes, le stress, la nourriture et tout ça. Chaque soin commence par le nettoyage. Pour moi, il y a deux étapes. Il y a la première étape, c'est l'étape de démaquillage, et la seconde étape, c'est le nettoyage. Exactement. Alors, pour le démaquillage, il y a beaucoup de produits, il y a des huiles, il y a des baumes, etc. Mais vraiment, et croyez-moi, j'ai tout utilisé, mais ce que je peux vous recommander, c'est clairement le micellaire. Alors, comme vous pouvez constater, j'ai de la micellaire de chez Garnier. C'est un produit que tout le monde doit avoir. Peu importe, vous êtes une fille, vous êtes un garçon, il faut toujours avoir de la micellaire. Parce que ce produit nettoie la peau magnifiquement bien, démaquille la peau. Mais la chose la plus importante, c'est que ce produit n'irrite pas la peau. Et c'est un produit qui est aussi recommandé par les dermatologues et cosmétologues. Clairement, vous pouvez choisir le micellaire qui correspond aux besoins de votre peau. Si vous avez par exemple une peau sèche, choisissez de le micellaire qui contient l'acide hyaluronique. J'arrive pas à prononcer ce mot, mais vous avez déjà compris de quoi je parle. Alors, oui, et même j'avais vraiment une période où une dermatologue m'a recommandé d'utiliser seulement de l'eau micellaire. Parce que après l'eau micellaire, faut plus laver le visage. Voilà. Pour la deuxième étape, j'utilise pour le moment un doux nettoyant moussant de chez Clarins. Mais regardez ce produit parce que. Voilà, il y a. Focus, focus, focus. C'est un produit magnifique, je l'ai vraiment reçu et je suis amoureuse de ce produit. C'est doux nettoyant moussant à l'amande de coton, peu normal ou mixte. Tout honnêtement, avant je préférais les gels parce que tous les nettoyants moussants que j'ai utilisés étaient nuls. Mais peut-être parce que je n'ai pas utilisé celui de chez Clarins. Pourquoi je l'aime? Bon, peut-être il y a des gens qui ne vont pas aimer cet effet, mais ce produit donne un effet. Comment vous expliquer ça? Vous savez, quand vous nettoyez le visage, alors vous lavez le visage avec ce produit, après vous avez la peau, mais hyper nettoyée, vous avez l'impression que ça fait même quelque sorte de bruit d'une peau très nettoyée. Parce que par exemple, après les produits, après les nettoyants qui contiennent des huiles, vous avez l'impression que vous avez déjà utilisé quelques types de produits sur votre peau. Mais ça donne pas cet effet. Donc peut-être que ça ne va pas plaire aux gens avec une peau très sèche. Mais personnellement, j'adore. J'adore. Et quelqu'un d'autre qui ne dort pas à ces tours-là. Et à 125 ml, il faut
l'utiliser, il faut prendre justement un tout petit peu de ce produit pour tout le visage et vous avez un effet comme... Je l'appelle comme ça. Petite fille! Aïe! Le produit suivant qui est indispensable pour moi, c'est un exfoliant. Donc c'est un traitement exfoliant intensif de chez Kate Somerville. Ça se représente comme ceci. Voilà, focus, focus. Je sais que oui, c'est tous les gens qui connaissent cette marque, oui, c'est pas donné. Mais quand même, je l'aime. Et tout honnêtement, je pense que vous pouvez trouver des exfoliants moins chers qui donnent le même effet. Quand même, faut un tout petit peu parler des exfoliants. Pourquoi des exfoliants et pourquoi des exfoliants chimiques? Pourquoi c'est important d'utiliser des exfoliants chimiques? Pour celles et ceux qui ne savent pas, il y a des exfoliants physiques et il y a des exfoliants chimiques. Et les exfoliants physiques, ce sont les scrubs. Et les exfoliants chimiques, ce sont ce type de produits qui ont des acides, etc. Et les exfoliants... Donc si vous entendez chimique, ça ne veut pas dire que c'est mal. Oh mon dieu, c'est chimique, ça c'est mal. Non, pas du tout. C'est même mieux que les exfoliants physiques. Parce que... les exfoliants chimiques ont un effet beaucoup plus évident et ils agissent d'une façon beaucoup plus profonde. Donc vraiment c'est un produit qui est indispensable parce que ça vous aide à vous débarrasser de ce qui est mort, ce qui est pas mort sur votre peau. Dead cells on your skin. Après, je vais vous présenter des masques. Et pourquoi des masques? Parce que c'est le soin intensif et notre peau a besoin de recevoir ce type de soin intensif chaque semaine, une ou deux fois par semaine. Voilà. Et je vais vous présenter un masque hydratant. Pourquoi hydratant? Parce que l'hydratation, c'est hyper hyper importante. Parfois, donc disons parfois, il y a des gens qui disent que ou qui pensent que l'hydratation ce n'est que pour la peau normale ou pour la peau sèche et la peau mixte à grasse n'a pas besoin d'hydratation et tout. C'est une idée hyper fausse. Maintenant, le secret total. Si vous n'hydratez pas votre peau assez, si votre peau ne reçoit pas assez d'hydratation, elle va produire beaucoup plus de gras parce que elle va essayer de cette façon de compenser la manque de l'eau. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il faut vraiment, non mais ça c'est sérieusement, il faut vraiment bien hydrater la peau. Parce que, surtout si vous avez des problèmes de la peau, surtout si vous avez des problèmes avec l'acné, donc n'hésitez pas, utilisez des crèmes hydratante. Clairement, utilisez des crèmes hydratantes qui n'irritent pas votre peau, mais quand même, c'est un produit indispensable. Alors, je vais vous présenter ce masque de chez Belief. En gros, l'année dernière, j'ai reçu beaucoup de produits de chez Belief et je suis tombée amoureuse de cette marque. C'est une marque coréenne. Des bisous, bisous, bisous. J'ai reçu ces produits le moment où j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes avec ma peau. Où ma peau était dans un état mais terrible. Même ma soeur me disait, Shoshana, je te regardais, c'était vraiment ta peau était la cata, je ne comprenais pas ce qui se passe avec ta peau, je ne voulais pas sortir, je ne voulais pas me maquiller parce que ça allait l'air terrible. Je ne peux pas dire que j'avais des imperfections, mais peut-être c'était l'eczéma, vraiment c'était terrible, c'était plutôt l'eczéma parce que c'était au moment de changement de température. Long story short, c'était la cata. J'ai commencé à utiliser ce produit, c'est une crème de chez Belief, ça s'appelle The True Cream Aqua Bomb, que j'ai déjà fini mais que j'ai adoré. Donc si vous cherchez vraiment une crème hydratante, faites attention à ce produit. Il y a The True Cream Aqua Bomb et il y a une version aussi plus intense qui s'appelle Moisturizing Balm si je ne me trompe pas, mais bon vous pouvez aller vers leur site et vous allez voir quand même. Je l'ai adoré, surtout je l'utilisais avec le sérum et parfois j'utilisais aussi ce masque. Ce masque vous pouvez utiliser soit avec la crème, soit tout seul, mais je vous recommande d'utiliser avec la crème ou au moins un sérum parce que ça donne un meilleur effet quand même. Je sais que Clarence a aussi un masque hydratant qui est très très bon. En gros,
ce gamme ou cette gamme, ce gamme, le gamme, la gamme, la gamme. Donc la gamme hydratante de chez Clarins, c'est vraiment vraiment très 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 bon. Ben voilà, ce sont, c'est tout, c'est tout. Je pense que tous ces produits, ce sont les indispensables et pour avoir une belle peau. Et n'ignorez pas, s'il vous plaît, n'ignorez pas votre soin. Vous n'avez qu'une seule peau sur votre visage. Vous n'avez qu'une seule peau. Donc, je veux dire que faites attention à votre peau. N'ignorez pas le soin. Parce que moi, vraiment, de temps en temps, j'ignore tous ces produits. J'arrête d'utiliser à un certain moment quelques de ces produits. Mais j'ai le meilleur résultat quand j'utilise tous ces produits. Et j'utilise les meilleurs produits qui ont un bon effet sur ma peau. Donc c'est tout pour cette fois-là. J'espère bien que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Excusez-moi pour toutes les imperfections. Excusez-moi pour ma voix et tout. Et c'est tout. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très très vite.